Est-ce que c'est encore trop bas? Non, je pense que ça va. Mais ça change un peu du format critique. Donc. Tac, comme ça, parce que sinon on est un peu proche. Ça fait bizarre quand on est collé. Salut à tous! Bienvenue sur Geek World. Je suis Scar. Je suis Carpoum. Et aujourd'hui, on a une petite vidéo annonce à vous proposer. Donc, basiquement, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, nous ne serons plus en France, nous serons à Londres pour assister à la Comic-Con. Même participer, du coup, à la Comic-Con. C'est ça, les Français débarquent à Londres, pour une fois que c'est nous et pas l'inverse. Petite blague historique pour ceux qui connaissent. En effet, on sera à la Comic-Con de Londres de session mai 2018, avec donc tout le monde. On y sera du 25 au 27, c'est ça, les 3 jours. La durée de la Comic Con elle-même, plus on sera une journée en plus, et une journée, enfin on sera 2 jours en plus. Voilà, pour visiter un peu Londres, pour pouvoir passer du temps avec nos amis britanniques, etc. Exactement, nous y serons du 24 au 28, où vous aurez donc toutes les chances de nous rencontrer, puisque nous serons au stand Avengers. C'est le nom qu'on a donné à notre stand, avec nos amis de FBF. Je nomme John, Jeff, et je crois le frère de John aussi, Drew, sera là. Et également, Queen Creeps sera avec nous dans le même stand. On sera un petit peu beaucoup serré parce que nous ne venons pas seuls. La dernière fois, j'étais venu tout seul à la Comic-Con. Cette fois-ci, j'apporte Carboom avec moi parce que je me suis dit que ça lui aurait fait vachement plaisir de participer à la Comic-Con. A raison. Et on a décidé également de faire intervenir avec nous nos deux crew members. Emmerich Blake, donc de la chaîne donc Emmerich Blake, oui c'est ça, Emmerich Blake de la chaîne Emmerich Blake, et qui donc fait les effets spéciaux et les designs, notamment le design de la bannière et des cartes de visite pour la Comic Con. Donc si jamais vous venez à la Comic Con, vous verrez certains de ces designs. Et également donc Lady Jeanette qui sera avec nous, qui donc s'occupe des maquillages sur les fictions. Pour l'instant, il n'y en a pas eu, donc vous n'avez pas trop eu l'occasion d'admirer ses talents. Voilà, l'occasion d'admirer son travail. Mais justement, pourquoi on va à la Comic-Con? Bah, justement pour pouvoir à terme faire tout ça. La chaîne se développe petit à petit, on en est à 67. C'est ça, enfin, voilà, on a fait plus de la moitié des 100 abonnés. C'est ça, bah, le but là pour cette année, jusqu'à la fin de l'année, c'est d'arriver juste aux 100 abonnés. Parce que les 100 abonnés seront un putain de cap pour nous, ça nous permettra de développer plein de nouveaux projets, notamment tous les projets de fiction qu'on a envie de faire et qui nécessitent un petit peu des fonds, des soutiens, de l'aide de vous. Oui, vous qui regardez cette vidéo derrière et qui pensez que je ne vous vois pas, mais je vous vois derrière, votre écran. Arrêtez de vous gratter les couilles. Oui, donc basiquement, en tout cas, c'est clair que le fait de franchir des paliers, de toute façon, bah évidemment que ça nous motive, nous, du coup, à taper plus fort, puisque on sait qu'il y a une communauté derrière, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui attendent les sorties de vidéos. Donc forcément, on se donne plus ça va aller, plus on se donnera de mal pour faire des vidéos plus sympas pour vous. Donc on va retrouver... tout le monde, on aura donc Game Hawk, Spamols, Luke and James, il y a Rekka qui sera avec nous également, qui va un peu graviter autour de notre stand. Shern, Rusty viendra faire un coucou. Il y aura toute la bande quasiment. Voilà. Quasiment, parce qu'il manque 2-3 personnes. Quand même. Et si on a l'occasion, bon, on pourra probablement faire des petits vlogs, des petits trucs. Ah, c'est pas si on a l'occasion, c'est on fera des petits vlogs. Voilà. Donc oui, comme la dernière fois où j'avais fait mes vlogs tout seul dans mon coin, un petit peu à la va-vite, et un petit peu mal filmé parce que du coup je filmais moi-même avec la caméra comme ça à bout de bras et c'est de la merde. Là, on sera plus nombreux. Déjà, on aura notre stand où on pourra se poser. Oui, il y aura nos caméras aussi, hein, plusieurs. Hein, je sais que tu apportes la tienne. Voilà. Emmerich apporte la sienne. Moi, je n'en ai pas, donc voilà. On a voulu également amener le panda, mais il prend de la place. Et disons que ça peut être gênant à la douane. Alors oui, surtout s'ils veulent l'ouvrir pour vérifier s'il y a de la drogue dedans. Voilà, on n'a pas trop envie de voir notre cher panda Hydro-Enigma subir une césarienne. Également, vous pouvez vous attendre à ce que nous apportions
des artworks, parce que Aymeric Blake et Lady Jeanette sont deux artistes de dessin ou de peinture, ou les deux, dans leur vie de tous les jours, et ont envie en sont au niveau où ils peuvent se permettre de le vendre. Voilà, donc ils vont présenter leur travail. Ne nous demandez pas à Karboum et à moi de faire des artworks, parce que... Enfin, je peux en faire, mais disons que ce sera pas magnifique. Hein. Et donc, voilà, il y aura donc des potes, de l'amusement, des rires, des cosplays, notamment moi, de la bouffe, de tout. Donc, moi, je vous dis, allez, tout de suite commander un billet d'avion. Bon, le billet de train... Ça va être dur. Avec les grèves. Avec les grèves, voilà. Commandez tout de suite votre billet d'avion, votre billet de train, votre billet de bateau, votre billet de bus. Oui, tout ce que vous avez. De voiture, tout. Et venez à la Comic-Con. Venez vous amuser avec nous. On sera ravis de vous voir. Et puis ça nous fera plaisir en plus de voir un petit peu nos fans IRL. Savoir comment vous ressemblez, qui vous êtes, ce que vous faites. Parce que même si je vous vois derrière votre écran, j'aimerais bien vous voir en chair et en os. Sur ce, on se dit à jeudi, hein, vu que nous on a tourné ça, on est lundi là. Ouais. À jeudi, et pour ceux qu'on voit à la Comic-Con, à dans quelques heures. Ciao. Ciao.